discussion sur le nucléaire iranien prévue ce week-end à Genève entre Kerry et Zarif, alors que les Américains reprochent à Israël d'interférer un peu trop dans ces discussions. Nouveau refroidissement des relations entre l'Égypte et le Qatar. Doha a rappelé son ambassadeur au Caire pour protester contre les raids aériens égyptiens menés en Libye. Et puis l'armée israélienne s'attend et se prépare à une nouvelle escalade militaire avec le Hamas. Reportage exclusif le long de la frontière avec Gaza. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. L'Iran donc sera une nouvelle fois sur le devant de l'actualité ce week-end avec la reprise de discussions bilatérales entre les États-Unis et Téhéran sur ce dossier donc du nucléaire iranien en marge des négociations que mène le groupe des 5+1. Cela va se passer à Genève, mais on sait qu'Israël suit ça de très près, de trop près même peut-être au dire de certains du côté de la Maison-Blanche. Est-ce que cela va interférer justement dans ces discussions? Est-ce que le discours de Netanyahou prévu au Congrès américain le 3 mars prochain peut aussi torpiller ces discussions? Bref, tout cela crée de nouveau quelques frictures, on va dire, sur la ligne entre Jérusalem et Washington. On va en parler avec vous, Nadia Elis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'Université de Tel Aviv et spécialisée donc, dans l'analyse du discours. Bonsoir Yitzhak Levanon, ambassadeur d'Israël, anciennement au poste en Égypte. On va discuter donc de tout cela, de cette situation autour du nucléaire iranien. Iran's intent is clear. Its leaders have openly expressed a call for the annihilation of the state of Israel. המזרח התיכון מתפרק, מדינות קורסות. לתוך החלל הזה שואטת אימפריה. האימפריה הזאת היא איראן. Well, there's no question that some of the things that the Israelis have said in characterizing our negotiating position have not been accurate. We have lost the trust and confidence of our friends. We definitely no longer inspire fear in our enemies. Ça va donc commencer dès demain à Genève avec d'abord des rencontres entre diplomates et représentants des délégations iraniennes et américaines autour du dossier du nucléaire iranien. Et puis dimanche, donc pour deux jours au moins, Zarif et Kerry vont se retrouver de nouveau pour parler donc de ce dossier nucléaire. Un mot justement sur ce contexte. Yitzhak Levanon, est-ce qu'à votre avis là, parce qu'on est maintenant à quelques semaines seulement de la fin du délai fixé. Vers la fin de mars, oui. Voilà. Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que les choses vont évoluer? Est-ce qu'on est vraiment proche d'aboutir, comme le laissent entendre parfois les Américains ou les Iraniens? Personnellement, je pense que non. Mmh. Et c'est à cause de la position très rigide iranienne. Et le ministère des Affaires étrangères, il a écrit un rapport il y a deux semaines, moins que cela, 10 jours à peu près, et disant que ça va aboutir à rien à cause de la position. Et il donne les détails pourquoi la position iranienne elle est tellement rigide et ferme, et ce qui ne va pas permettre au président Obama de concéder ce que les Iraniens demandent. Donc la conclusion de ce rapport, c'est que les chances sont très minimes, et moi j'endors ce rapport. Ouais. Nadia Elis, vous avez l'impression que, d'après les déclarations les uns et les autres, là, qu'on est en train de chercher vraiment à conclure un accord? Écoutez, moi, à ce moment, à partir du moment où on a des positions tellement différentes aux États-Unis, en Israël, je commence à m'attendre à un grand coup de théâtre au moment de ce discours de Benjamin Netanyahou au Congrès américain et même par rapport à ces négociations, parce que sinon je ne comprends pas pourquoi on parle autant de cet accord qui n'est pas encore abouti. Et pourtant, déjà, on décide qu'il n'est pas bon, qu'il est mauvais, et il faut absolument aller parler au Congrès américain. Donc peut-être qu'il faut s'attendre à quelque chose qu'on ne sait pas encore. Alors on fait un point sur le dossier et on en parle évidemment juste après, d'abord avec Leslie Rezoug. Le nucléaire iranien plus que jamais au cœur des tensions entre Israël et les États-Unis. Les équipes de négociateurs dépêchées par Washington et Téhéran sont arrivées ce jeudi à Genève pour une nouvelle phase de pourparlers.
John Kerry et Mohammad Javad Zarif, les deux diplomates en chef, doivent les retrouver dimanche. Et lundi, les autres membres occidentaux du groupe des 5+1 pourraient eux aussi se joindre pour parler. Des discussions dont Israël est exclu, un camouflet pour Benjamin Netanyahou, qui estime qu'un Iran nucléaire serait une menace directe pour la survie du pays. Tout comme l'Iran, Israël sait exactement ce que contient l'accord proposé. Israël en connaît tous les détails. Ce sont nous qui sommes en danger si l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Notre position constante est que l'accord proposé est dangereux pour la sécurité d'Israël. Mais si quelqu'un pense que c'est une bonne proposition, pourquoi est-elle dissimulée ? Mais les États-Unis ne comptent pas céder. Après des mois de négociations, ils comptent bien parvenir à un consensus avec Téhéran. Des différences de vues et des dissensions profondes entre les deux alliés qui jettent un froid entre les administrations américaines et israéliennes. Soupçonnés de vouloir torpiller un accord que les États-Unis souhaitent depuis longtemps, les Israéliens sont notamment accusés de diffuser des informations de manière parcellaire pour caricaturer la position américaine. Les États-Unis ne vont pas être en mesure de négocier cet accord en public. En particulier quand nous faisons face à des pratiques continues qui consistent à distiller des informations spécifiques pour les utiliser hors de leur contexte afin de nuire aux États-Unis. Quand vous participez à ce genre de négociations, vous devez vous assurer que ces consultations et ces négociations sont menées de bonne foi. Cela signifie donner toutes les chances aux négociateurs pour réellement négocier. Malgré les critiques, Benjamin Netanyahou espère infléchir la position du Congrès lors de son discours le 3 mars prochain. Une ultime tentative pour le Premier ministre, alors que les États-Unis l'ont annoncé, il ne compte pas reprendre les discussions avec Téhéran après le 31 mars, si les contours d'un accord ne parvenaient pas à se dessiner. Alors, qui faut-il croire ? Est-ce que ce sont les Israéliens, Yitzhak Levanon, quand Netanyahou dit encore aujourd'hui hein, « cet accord n'est pas bon, celui qui va être signé, qui va être négocié n'est pas bon » ou les Américains qui disent « mais nous, on ne dit pas qu'il est bon ou mauvais parce que pour l'instant, il n'est pas négocié ». Est-ce que les Israéliens savent déjà tout ou est-ce que les Américains, justement, n'ont pas fini de négocier ? Non, ils n'ont pas fini de négocier. Je crois qu'il y a un dénominateur commun entre Israël et les États-Unis. Mettant de côté, disons, la dissension qu'on voit aujourd'hui entre Obama et le Premier ministre Netanyahou, et ce que le dénominateur commun, c'est que les deux disent c'est mieux de ne pas avoir un accord que d'avoir un accord qui est mauvais. Les Américains le disent de façon très claire. Secondo, en ce qui concerne le discours, le grand discours de Benjamin Netanyahou. Et je crois que le but de Benjamin Netanyahou, c'est d'influencer le Congrès. Parce que bon, il pense que Obama a le droit, il peut le faire aussi, de mettre un veto. Mais pour, disons, contourner ce veto, il a besoin de 2/3 ou de 60, etc., voix du Sénat. Donc il veut influencer le Sénat. En ce qui concerne Obama, je crois que le discours a atteint son but en ce qui concerne Obama. Mm-hmm. Et ce que Benjamin Netanyahou a fait, il a mis le président Obama à la défensive pour expliquer que comme quoi, moi, je ne suis pas prêt à faire un accord qui est mauvais. Donc, il doit penser à deux reprises de voir qu'il ne va pas faire ce que nous, en Israël, avions pensé que les États-Unis vont faire. Le troisième point, c'est que c'est vrai que nous sommes en contact continu avec les Américains, de trop près, depuis le début de ces négociations. Mais il a d'autres sources aussi qu'Israël possède, que ce soit à Londres, ou que ce soit à Paris ou que ce soit à Berlin. Et on est en contact avec ces gens. Le cinquième point, c'est que dans ces deux jours, le chef du Conseil de sécurité israélien, il est en contact avec les gens de la Maison-Blanche sur le nucléaire iranien. Donc les contacts continuent. Et c'est vrai que les Américains, peut-être, n'ont pas apprécié beaucoup qu'Israël ou le Premier ministre ou des sources israéliennes en divulguent, disons, des choses que ça devrait être au sein des négociations. C'est la raison pour laquelle on voit cette dispute entre Washington et Jérusalem. Ouais. En tout cas, il y a une vraie, on va dire, un agacement, on l'a vu, Nadia Elis, dans les propos du porte-parole de la Maison-Blanche. Ouais. C'est en tout cas l'impression qu'on pouvait avoir, oui, effectivement. Ouais,
Mais c'est assez étonnant ce qui se passe. D'un côté, on a un Premier ministre qui dit que les États-Unis ne sont pas en train de faire notre intérêt, en fait. Mm-hmm. Les États-Unis sont en train de dire exactement l'inverse. Bien sûr, on fait l'intérêt d'Israël et de tout le reste du monde, et des États-Unis également. Les États-Unis disent Israël ne sait pas tout, forcément. Israël dit oui, on sait tout, bien sûr qu'on sait tout. Et franchement, on peut se poser la question, est-ce que tout ce qu'on voit est vraiment tout ce qui se passe? Et je vous pose la question, peut-être vous le savez, parce que je m'imagine la diplomatie qui se fait derrière des portes closes. Et toute cette, occupation, enfin, j'essaie de traduire de l'hébreu parce que le mot ne me vient pas en français, je perds mon français avec ces discours publics, ces déclarations publiques. Et il y a toujours un jour c'est le président, un jour c'est le porte-parole et un jour c'est Netanyahou qui parle. Et on est tout le temps en train d'essayer d'analyser ce qu'ils disent, mais est-ce qu'il est possible vraiment contre Israël et les États-Unis qui sont des alliés depuis toujours que ce soit vraiment la politique qui se fait entre les deux pays? J'ai du mal à y croire, parce que les déclarations qui se font, évidemment, moi je m'intéresse au discours, ce sont des déclarations d'un homme, je parle de Netanyahou, qui en gros se présente en tant que le héros qui sauve la situation, parce que les États-Unis ne comprennent rien, ils sont en train de signer un mauvais accord, et il faut absolument que lui aille sauver la situation en faisant ce discours au Congrès, qui est comme le dernier recours, et heureusement que lui il peut y aller, parce que sinon... En gros, le monde va exploser. Et vraiment, je vous pose la question, est-ce qu'il est possible que ça se réduise à ça? Regardez, pour simplifier les choses, du point de vue de Benjamin Netanyahu, c'est le Premier ministre qui voit toutes les informations, les plus secrètes qu'il possède. Enfin, il voit tout. Il est arrivé à la conclusion que comme quoi les États-Unis sont sur le point de signer un accord qui est mauvais, d'après son point de vue, pour Israël. Et c'est pour cela que je dois réagir. Là, je crois que c'est légitime pour un Premier ministre israélien de le faire. Non, mais je comprends. La réaction vraiment qu'un Premier ministre israélien peut avoir, c'est d'aller parler au Congrès. Il ne peut pas, poser un coup de fil au président. Comment le faire, c'est une autre question. OK. Moi, de ce plateau-là et d'autres plateaux, j'ai dit que ce n'était pas bon de le faire tel qu'il voulait le faire ou le veut le faire toujours à l'intérieur du Congrès. Et parce qu'il a d'autres moyens de le faire. Mais le faire, il a le droit de le faire. Il a même l'obligation de le faire. Mais la façon de le faire, c'était différent. Il a choisi de parler au Congrès contre le gré du président Obama. Et c'est pour cela qu'on voit la dispute maintenant au niveau personnel entre les deux. Ce n'est pas au niveau des deux États. Pour répondre à votre question, il y a des contacts continus entre Israël et les États-Unis. À tous les niveaux et les niveaux les plus, disons, sensitifs. Sur cette question-là, on n'écoute pas tout, tout n'est pas publié, c'est pas possible. Il y a des choses qui se tournent dans les labyrinthes, disons, de la diplomatie, que ce soit à Washington, que ce soit à Jérusalem. Vous n'entendez pas, par exemple, les gens qui voyagent, mais les voyages, ça continue, de part et d'autre, pour discuter de cette question-là, parce qu'il y a un intérêt vrai, américain et israélien, pour que l'Iran ne soit pas un État nucléaire. Parce qu'ils savent les conséquences. La question, c'est que comment faire pour ne pas arriver à ce stade? Et là, il y a la différence. Parce qu'au sein d'Israël, par exemple, il y a certaines personnes qui connaissent les détails et qui disent, regardez, c'est pas tellement mauvais parce qu'on va pas arriver à rien du tout. Parce que, disons que l'Iran, elle est loin des heures de la bombe. Il y a des gens qui pensent le contraire. Mm-hmm. Aux États-Unis, c'est pareil. Vous le lisez d'ailleurs dans plusieurs journaux. Il y a des gens qui attaquent Obama carrément, que comme quoi il veut arriver à un accord à tout prix et c'est mauvais de le faire. Donc, il y a le niveau qui est public, le discours qu'on va entendre, qui, à mon avis, sera un discours, comme je l'ai dit, dirigé vers le Sénat et vers le Congrès, pas vers Obama, parce qu'Obama connaît très bien la position de Benjamin Netanyahu. Et il y a les discussions secrètes qui se trouvent tout le temps et qui continuent, et ça va continuer, parce que c'est un intérêt commun américano-israélien. Eh bien, du coup, après cette réponse, effectivement, qui confirme que vraisemblablement, il se passe des choses que nous, on ne connaît pas, on peut vraiment se demander la question, je laisse le bénéfice de doute, mais quand même, on peut se poser la question si toute cette histoire n'est pas aussi liée, effectivement, comme on le dit très souvent, à cette campagne qu'il y a en Israël, en vue des élections. – Vous pensez que le discours de Netanyahou est uniquement dirigé vers le public israélien ?– Je ne sais pas, et je ne veux pas le dire, parce qu'évidemment, on n'a pas entendu encore le discours, mais on peut se poser la question quand même. – Personnellement, j'en doute. Mais, disons, du point de vue, le timing entre les deux, on ne peut pas... C'est suspect, bien sûr que c'est suspect. Mais j'en doute carrément que ce soit le cas. J'aurais fait de façon complètement différente à la place de Netanyahou que d'enquiquiner, disons, le président Obama. C'est pas sérieux du point de vue diplomatique et politique. J'irais, par exemple, à Londres, j'irais en France, j'irais à Berlin. Eux, ils participent aux discussions. C'est le
P+5, ils participent. Donc eux, ils peuvent faire pression sur Obama. Ils peuvent le faire mieux que nous. Mais je vais vous dire aussi, nous sommes quand même en Israël où la culture locale déteste les gens qui cèdent. Vous savez que c'est quelque chose de très culturel. En Israël, il ne faut pas être celui qui se... Le faible. Oui, voilà, le faible, celui qui se fait avoir, le frayeur, comme on dit en hébreu. Netanyahou, il a peut-être fait une gaffe au départ, ou on ne sait pas, peut-être qu'il n'avait pas prévu que l'histoire prenne de telles proportions. Là, il se trouve dans une situation où il ne peut plus dire non. C'est-à-dire qu'il ne peut plus se retirer. Il est évident qu'il va faire ce discours parce qu'il ne peut pas se présenter à ce moment précis en Israël, face aux élections, comme celui qui cède derrière la volonté d'Obama. Et moi, j'ai pas parlé de la gaffe diplomatique que notre ambassadeur a fait là-bas. Ouais. Oui, qui serait d'ailleurs lui aussi... Regardez, moi, je suis diplomate, j'ai travaillé pendant 40 ans. Ça se fait pas de cette façon-là. Je m'excuse. Même si on dit que c'est le speaker, finalement, qui, le républicain John Boehner, qui est à l'origine. Un ambassadeur, c'est un ambassadeur. Ça change pas. Il a des règles, il a des codes, il a des choses qu'on peut pas se permettre. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est le manque, disons, de professionnalisme diplomatique, parce que lui, il n'appartient pas à cette branche. Il n'a pas été éduqué en tant que diplomate. Il a été tout simplement parachuté de l'extérieur. Donc, il a fait des gaffes. Et c'est une grande gaffe, à mon avis. Ouais. C'était une grande gaffe, parce qu'il devait insister. Ce n'est pas possible. Ce n'est jamais arrivé, disons, avec un ambassadeur, que vous parlez avec le ministre des Affaires étrangères du pays, là où vous êtes accrédité pendant 2 heures, et vous dites rien. Ben c'est une gifle pour le ministre des Affaires étrangères. Enfin, c'est clair dans la diplomatie. La question également qui se pose, c'est de savoir si ce discours de Netanyahou peut vraiment torpiller des négociations qui sont en cours. C'est ce que craignent finalement les Américains. C'est un des arguments qui a été avancé. Est-ce qu'on peut imaginer franchement que le discours de Netanyahou torpille des négociations sur le nucléaire? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, à moins qu'il y ait un coup de théâtre vraiment exceptionnel pendant ce discours, où Netanyahou dévoile peut-être des informations qu'on ne connaît pas, dont on n'est pas au courant, dont le Congrès ne serait pas au courant pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas exactement comment un tel discours pourrait vraiment avoir l'effet de changer la donne. C'est possible. C'est possible. Je vous dis comment. C'est possible. C'est possible si Netanyahou, il va parler au Congrès ou au Sénat, supposons qu'il va convaincre ces gens-là. Et si le président Obama, parce qu'il a ses moyens de tâter le pouls de ces gens-là, il arrive à la conclusion que, comme quoi, le Sénat et le Congrès, il a 2/3 contre son veto. Et le président Obama pensera à 2 reprises de mettre son veto et d'avancer avec le nucléaire iranien. Donc, il va repenser. Le second point qui fortifie cette supposition, c'est que je crois qu'à un certain moment, et je crois que c'était le State Department qui a dit ça, que bon, si on n'arrive pas vers mars, fin mars, à une solution, on peut prolonger, disons, les discussions. Ce n'est pas la première fois. Donc, ils ont laissé une fenêtre ouverte pour la prolongation, disons, des discussions. Ouais, ça peut arriver. Tout en disant le contraire, effectivement. Je voudrais qu'on écoute le point de vue de quelqu'un qui est considéré comme le spécialiste du renseignement en Israël. C'est le journaliste Ronen Bergman, qui bien évoque justement ce qui pourrait se passer en cas, éventuellement, d'accord ou d'échec de ces négociations. Il a répondu à Maxime Pérez. Ce à quoi nous risquons d'assister dans les prochains mois et peut-être même au-delà, c'est la non-signature d'un accord. Pour autant, les deux parties, à savoir le groupe des 5+1 et l'Iran, ne veulent pas briser les règles du jeu. Ils voudront continuer à négocier, y compris des négociations de faible intensité. Ils continueront de se rencontrer dans un bel hôtel de Vienne, ils continueront de bien manger, de beaucoup parler, et diront même qu'il y a des avancées. Le chef de la diplomatie iranienne Zarif se fera prendre en photo avec Kerry, tout ira bien en apparence, mais il n'y aura pas d'accord. Le processus diplomatique va se poursuivre, et c'est ce que nous allons voir prochainement. Pour ce qui est des Israéliens, aussi longtemps que des négociations se déroulent, ils ne pourront pas se permettre d'attaquer l'Iran. Un tel acte serait perçu comme un affront à la communauté internationale. Et je ne crois pas que Netanyahou se risquerait à de telles choses. Voilà, donc le scénario de l'enlisement, c'est aussi quelque chose... Je ne sais pas si c'est l'enlisement, mais la prolongation, oui. Parce que les Américains peuvent venir aux Iraniens et disent, pour prolonger, disons, les discussions, que bon, regardez, nous on était sur le champ, le Congrès était sur le point de prendre des sanctions additionnelles, on va arrêter ça. On va friser, disons, ces nouvelles sanctions, on va laisser la situation telle qu'elle est. Et les Iraniens peuvent dire, au Rouhani, parce que les négociateurs disent à Kerry et disent à Obama, si on n'arrive à rien, c'est Rouhani qui va tomber, donc c'est l'Iran qui va
disons, chavirer vers l'extrémisme. Donc les Iraniens disent, bon voilà, on n'a plus de sanctions additionnelles. Les sanctions avec lesquelles on vit pour l'instant, ça nous aide un tout petit peu, parce que bon, ça a été un tout petit peu allévié. Donc je crois qu'ils auront besoin de 2-3 mois et ça peut continuer. Adélie, sur... Non, c'est assez marrant parce qu'on peut faire énormément d'hypothèses par rapport à cette histoire. Maintenant, tout peut aller à l'avantage de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre, que ça continue, qu'on arrive à un accord, que si on n'arrive pas à un accord, on peut dire que c'est de la faute d'Israël, c'est la faute des États-Unis, c'est la faute de l'Iran, c'est la faute de tout le monde, en gros. Chacun peut un peu tirer la couverture de son côté. Et finalement, on ne comprend pas qui a intérêt à faire quoi. Aujourd'hui, on ne comprend pas si vraiment Netanyahou a intérêt ou n'a pas intérêt à aller parler aux États-Unis, si les États-Unis et Israël ont intérêt ou n'ont pas intérêt à être en désaccord, si toute cette histoire va amener à quelque chose de positif ou négatif. Enfin, en fait, on en parle énormément, mais dans la pratique, on ne sait pas vraiment où cette histoire va mener et qui a intérêt à continuer de cette manière, en fait. Regardez, il y a un point de discussion qui est très connu et très clair, enfin, ce n'est pas public, mais il est clair, entre l'Europe, qui discute, et les États-Unis. Par exemple, sur la question des centrifuges, les États-Unis sont prêts à laisser plus de 5000 centrifuges, 5300, etc. Les Européens ne sont pas d'accord. Donc c'est un point de dissension entre les Européens et les États-Unis. Nous sommes dans ce sens-là, sur ce point-là, de côté européen. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas, effectivement. Alors, en tout cas, tout cela est évidemment toujours très lié à la politique étrangère que mène Barack Obama. Et justement, il est actuellement au centre de nombreux regards parce qu'il organise à la Maison-Blanche ce fameux sommet sur le contre-terrorisme. Comment lutter contre la violence extrémiste? C'est une idée que les Américains ont développée juste après les attentats de janvier à Paris. Donc en France, ce sommet a lieu en ce moment. Tout à l'heure, un ministre jordanien a parlé de la troisième guerre mondiale menée actuellement contre le djihadisme. Mais Barack Obama, lui, est plus mesuré. Regardez l'analyse qu'il fait de cette violence djihadiste. C'était tout à l'heure à la Maison-Blanche. Ces terroristes cherchent désespérément à être pris au sérieux et nous avons tous la responsabilité de rejeter l'idée selon laquelle des groupes comme l'EI représentent d'une certaine façon l'islam, car c'est un mensonge qui sert l'intérêt des terroristes. Aucun d'entre nous ne devrait être à l'abri de critiques sur certaines politiques, mais l'idée selon laquelle l'Occident est en guerre avec l'islam est un horrible mensonge. Quelle que soit notre religion, nous avons tous la responsabilité de la rejeter. Voilà, Nadia Ali, c'est un discours finalement qui n'est pas combatif ou contre l'idéologie, puisque Obama se place beaucoup sur le plan social pour dire qu'il faut lutter contre les inégalités dans les pays où ce type d'idéologie se développe. Est-ce qu'il a raison, à votre avis, déjà? Je ne sais pas s'il a raison, je peux comprendre ses raisons. En tout cas, on en parlait aussi par rapport à François Hollande, au moment où lui, il parlait. Il y a des leaders qui ne peuvent pas se permettre de faire des grandes déclarations où on parle de... cancre de la société plutôt que de « on est en guerre contre ci et contre ça ». Il y a des hommes et des femmes politiques qui s'amusent à faire ce genre de déclarations pour augmenter leur popularité ou pour avoir plus de votes. Mais quand on a des vrais leaders, je veux dire des personnes qui sont au poste de pouvoir et qui doivent gérer une population entière qui est composée de toutes sortes de populations et qui ont aussi évidemment des musulmans qui vivent dans leur pays, que ce soit Obama, que ce soit Hollande et d'autres, ils ne peuvent pas, de manière responsable, ne pas dire ce qu'il vient de dire. C'est une évidence. Il est presque obligé de dire « nous ne sommes pas en guerre contre l'islam ». Il manquerait plus que les gens, maintenant, se mettent des extrémistes de l'autre côté. Ils se mettent à faire la guerre à l'intérieur des États-Unis contre les musulmans. Ce serait une catastrophe. Donc, il faut vraiment essayer de calmer le jeu. Ça c'est évident. Et c'est responsable aussi. Regardez, Obama n'avait pas d'autre choix. Enfin, je suis tout à fait d'accord. Il ne peut pas dire que bon, nous sommes maintenant dans une guerre croisade. C'est pas le cas. Il ne peut pas dire que c'est la troisième guerre mondiale, comme a dit le ministre jordanien. Non, parce que le ministre jordanien, il est musulman. Il peut dire ça, c'est co-religionnaire. Mais Obama ne peut pas le dire. Il est le chef de la grande des États-Unis. Et donc, il ne pouvait pas dire que ces gens-là ne sont pas ou ne représentent pas l'islam. Il n'avait pas d'autre choix. Malgré qu'il sait très bien que c'est le califat qu'ils ont déclaré, qu'il parle de la charia et tout ça, ça appartient à l'islam. Mais il ne peut pas le faire. Le second point, je crois qu'il a tout à fait raison, c'est qu'il fait œuvrer sur le social. Mais pas seulement sur le social. Parce que ces gens-là viennent d'un certain entourage, d'une certaine société. Donc il faut travailler là-dessus. Que ce soit dans l'éducation, que ce soit sur les points sociaux, et sur la façon de vivre, sur l'intégration de ces gens-là, sur les médias sociaux, sur l'Internet, etc. Il faut travailler là-dessus. Tout ça, c'est du social.
mais pas seulement sur le social. Parce que pour vaincre le terrorisme, on l'a vu ça dans le passé, on n'a pas d'autre choix, il faut utiliser aussi la main forte. Donc ce sera la 40 et le bâton. Mais quand Obama prend l'exemple de l'intégration réussie des communautés aux États-Unis, est-ce que c'est un exemple, justement, duquel devraient s'inspirer des pays en Europe aujourd'hui, de voir finalement des communautés aux États-Unis plutôt pacifiées? C'est un peu ce que dit son... Oui, mais déjà d'un point de vue de nombre, on ne peut pas comparer, la proportion de musulmans, par exemple, qu'il y a en France avec la proportion qu'il y a aux États-Unis. C'est vraiment pas comparable. Aussi, on ne peut pas parler à long terme. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'est-ce qui va se passer après. Aujourd'hui, à ce stade, la situation est peut-être calme. En France, ça l'était aussi il y a 10 ans. Donc, il faut voir comment les choses vont évoluer. De toutes les manières, nous sommes dans une situation où toute cette guerre, comme on l'appelle, est extrêmement médiatisée. Autrefois, ce qui se passait de l'autre côté de la mer, les gens ne le savaient pas et franchement, ils ne s'y intéressaient pas non plus. Et du coup, ça restait là-bas et ça n'avait pas non plus cette force d'attraction que ça a aujourd'hui vers certains jeunes qui se trouvent en Europe, qui se trouvent aux États-Unis. Alors, Obama et comme d'autres leaders, encore une fois, ils ont intérêt à exploiter cette même médiatisation pour essayer de calmer le jeu, pour essayer de dire aux gens que ça ne représente pas l'islam, que ce sont des gens qui sont mal dans leur peau, alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais il faut effectivement essayer de marginaliser cette guerre qui n'est pas du tout marginalisée par les médias. Donc ils essayent quelque part de contrebalancer le travail que les médias sociaux dont vous parliez tout à l'heure font et qui est très 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 nocif pour la situation, parce que évidemment c'est comme tout phénomène négatif, une fois que c'est médiatisé, ça attire plus de gens. Ouais, quel cas, effectivement. Je ne crois pas que Obama pourra dire ou donner l'exemple des États-Unis. On vient de tuer il y a 5 jours 3 musulmans. Alors ça, effectivement, c'est le... Et je ne crois pas que même l'Angleterre ou la France ou l'Italie, même l'Australie peuvent le dire, parce que bon, ça, c'est partout maintenant. Et malheureusement, cette violence qu'on trouve sur place. Je suis catégorique que bon, il faut travailler. Il faut travailler et l'Europe, elle a commencé avec ça. Elle devrait changer, disons, certaines de ses lois internes, parce que sinon... C'est pas possible. Disons, permettre des manifestations, ce qui me vient à la tête, des manifestations à Londres, où on voit des pancartes qui disent aux Anglais, bon, vous allez voir qu'est-ce que c'est l'Holocauste, c'est rien du tout, on va vous enseigner qu'est-ce que c'est l'Holocauste. Ça sera la fin de l'Angleterre. Ou bien lorsqu'on parle en Hollande, etc., ce sont des choses qu'on ne peut pas se permettre. Il faut mettre beaucoup du poids sur le social et sur l'éducation. Merci beaucoup Yitzhak Levanon, merci Nadia Elis. On parlera dans un instant justement de la situation en Libye. Les raids qu'a mené l'aviation égyptienne il y a quelques jours et une situation diplomatique qui semble très compliquée, notamment à l'intérieur de la Ligue arabe. On en parlera dans un instant. Et puis on ira également en France où la motion de censure qui a été déposée contre le gouvernement a été rejetée à l'instant, ce qui veut dire que la loi de réforme de l'économie, dite loi Macron, est adoptée ce soir et le gouvernement reste en place. A tout de suite. Merci à vous. De nouvelles discussions sur le nucléaire iranien vont démarrer ce week-end à Genève. Entretien Kerry Zarif, notamment à partir de dimanche. Les Américains qui reprochent à Israël d'interférer un peu trop dans ces discussions, alors que Netanyahou, lui, eh bien, se demande pourquoi on lui cacherait des choses. Nouveau refroidissement des relations entre l'Égypte et le Qatar, Doha a rappelé son ambassadeur au Caire aujourd'hui, en lien direct avec les raids aériens menés par les Égyptiens en Libye. Et puis l'armée israélienne qui s'attend à une nouvelle escalade militaire avec le Hamas et s'y prépare, vous le verrez dans ce reportage exclusif le long de la frontière avec Gaza. Nouvelle tension diplomatique donc entre le Qatar et l'Égypte, cette fois à propos de la Libye. Le Qatar n'a pas apprécié que l'armée égyptienne bombarde la Libye sans en informer au préalable la Ligue arabe. Mais la situation est rendue encore un peu plus tendue ce soir par l'annonce de la disparition et même de l'enlèvement d'au moins 13 travailleurs égyptiens à Tripoli en Libye. Léa Berdugo.
La crise s'intensifie entre l'Égypte et le Qatar. Doha a rappelé jeudi son ambassadeur du Caire pour des consultations. L'objet du différend, le Qatar est accusé par l'Égypte d'apporter son soutien au terrorisme. Les autorités qataries auraient émis des réserves sur un projet de résolution de la Ligue arabe, un texte soutenant le droit de l'Égypte à mener des raids contre l'État islamique. Les monarchies du Golfe ont aujourd'hui apporté leur soutien à Doha. Faux, disent-elles, le Qatar ne soutient pas le terrorisme. Par ailleurs, l'Égypte a subi un lourd revers ce jeudi. 10 Égyptiens ont été enlevés en Libye. Le kidnapping survient après que des frappes aériennes ont été menées depuis lundi par l'Égypte. Le gouvernement d'Abdel Fattah al-Sissi a ciblé des troupes appartenant à l'État islamique en réponse à la décapitation de 20 coptes égyptiens. La Libye est au cœur de toutes les attentions. Toutefois, le gouvernement libyen s'est plaint devant le Conseil de sécurité de l'ONU du manque d'intérêt de la communauté internationale pour son pays. La situation catastrophique dans mon pays à cause du terrorisme ne reçoit pas la même attention de la part de ce conseil dont ont pu bénéficier nos frères en Irak ou en Syrie. Et c'est pourquoi nous appelons la communauté internationale à s'assurer de prendre ses responsabilités pour préserver la paix et la sécurité en Libye. L'Europe est menacée ce jeudi directement par l'État islamique. L'organisation s'est adressée à l'Italie. Si vous engagez des forces armées en Libye, nous vous enverrons 500 000 migrants. D'après des écoutes téléphoniques, l'organisation de l'État islamique envisagerait de recourir aux migrants comme une arme psychologique contre l'Europe. La Maison-Blanche a démenti aujourd'hui formellement tout contact prochain entre des négociateurs américains et des talibans afghans. Des sources font pourtant état d'une volonté de négocier de la part de ces mêmes talibans, et cette fois directement avec les États-Unis par l'intermédiaire du Qatar. Les précisions de Léa Volbert. La rumeur court. Une possible rencontre entre les Américains et les talibans afghans au Qatar dans les jours à venir. Un responsable taliban a affirmé sous couvert d'anonymat que les talibans s'apprêtaient à parler directement avec Washington au sujet de la présence militaire américaine sur le territoire afghan. Une déclaration démentie par un responsable américain en début de matinée ce jeudi. L'ambassade américaine à Islamabad a simplement souligné que Washington continuait à travailler pour la stabilisation et la sécurisation de l'Afghanistan. Engluées dans la guerre en Afghanistan depuis 2001, les troupes américaines se sont majoritairement retirées du terrain en décembre dernier. Les soldats des forces de l'OTAN étaient 140 000 en 2010. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 12 500 tout au plus, majoritairement américains. Ils sont principalement chargés d'encadrer, de former les forces afghanes, mais surtout d'endiguer l'expansion des talibans qui contrôlent une partie du pays. Après plus de 13 ans de guerre civile, l'Afghanistan est exsangue. Le président Ashraf Ghani, arrivé au pouvoir à l'automne 2014, a fait de la reprise des pourparlers sa priorité. Mais jusqu'à présent, les talibans ont toujours exigé un retrait total des troupes étrangères avant d'engager toute négociation. Le Pakistan, historiquement très proche des talibans afghans, pourrait faire jouer son influence. Le chef de l'armée pakistanaise s'est rendu à Kaboul la semaine dernière. Il a réaffirmé sa volonté d'éradiquer tous les groupes extrémistes de la région. Des avions de chasse britanniques ont décollé d'urgence aujourd'hui après que la présence de jets de l'armée de l'air russe ait été signalée tout près de l'espace aérien britannique. Ce n'est pas la première fois que les Russes font des exercices militaires tout près des côtes occidentales en cette période de tension liée bien sûr au conflit dans l'est de l'Ukraine. Conflit qui reste d'ailleurs toujours très présent ce soir malgré l'accord de cessez-le-feu. Julia Ganancien. Nouveau revers pour les autorités de Kiev. Les rebelles pro-russes ont contraint l'armée ukrainienne d'abandonner Debaltseve. Cette ville constitue un verrou stratégique pour le contrôle de l'est du pays, en proie depuis 10 mois à une insurrection séparatiste. La trêve n'aura pas duré longtemps. Aujourd'hui, quelle trêve! On a cru que toutes nos vitres, les quelques-unes qui restent, seraient brisées. C'était un bombardement terrible. Pendant 3 jours, nous n'avons fait qu'entendre des bruits d'artillerie. Mais pour les rebelles, l'important est ailleurs. En prenant Debaltseve, ils ont parachevé leur avancée militaire amorcée pendant l'été. La zone qu'ils contrôlent est maintenant homogène, faisant la jonction entre les territoires séparatistes des régions de Lugansk et de Donetsk. La situation pousse le président ukrainien Petro Poroshenko à demander l'envoi d'une mission policière de l'Union européenne sous mandat de l'ONU pour maintenir la paix dans l'est du pays. La meilleure option serait une mission policière de l'Union européenne.
Nous pensons que ce serait la chose la plus efficace pour garantir la sécurité dans une situation où le cessez-le-feu n'est respecté ni par la Russie, ni par ceux qui la soutiennent. L'Occident a fermement dénoncé la prise de Debaltseve qui risque de ruiner le fragile cessez-le-feu, mettant en cause une nouvelle fois Moscou. Nous sommes profondément préoccupés par les rapports selon lesquels les séparatistes pro-russes continuent d'attaquer Debaltseve et violent le cessez-le-feu dans de nombreux autres endroits, à Donetsk et à Lugansk. Le principe d'un contingent de paix international qui surveillerait la frontière russo-ukrainienne poreuse et la ligne séparant l'Ukraine des territoires séparatistes a été adopté par le Conseil de sécurité nationale et de défense, mais doit encore être voté au Parlement. Alors on est en ligne justement avec le député UMP Thierry Mariani qui est le secrétaire du groupe d'amitié parlementaire France-Ukraine. Bonsoir Thierry Mariani. Bonsoir. Vous êtes à Vienne justement où on discute de ce qui est en train de se passer. Comment vous analysez la situation aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression que cet accord de cessez-le-feu signé à Minsk est réellement appliqué? Est-ce qu'il est réellement appliqué? Pas encore. Soyons honnêtes, on voit très bien qu'il y a, on va dire, des bavures ou des endroits où ça dérape. Mais la nouveauté, c'est qu'on voit clairement que pour une fois, on veut trouver une solution. Et par exemple, cet accord où on pourrait avoir des policiers en interposition pour contrôler la frontière me semble aller dans la bonne solution. Et puis, un cessez-le-feu, on le sait très bien, il y a une heure butoir, mais il faut toujours quelques jours pour qu'il s'applique complètement. Est-ce que ce n'est pas la Russie quand même qui fixe les règles du jeu là, puisqu'on voit qu'elle a recommencé par exemple à livrer du gaz dans la partie est de l'Ukraine, là où sont les rebelles? Oui, mais écoutez, si jamais, je crois aussi que la Russie livre du gaz à une partie de l'Ukraine, j'allais dire, qui n'est absolument pas sous le contrôle des rebelles. Ça n'a rien à voir. On est en plein hiver. La moindre des choses pour la population civile, c'est effectivement de pouvoir bénéficier du chauffage. Donc le fait que les livraisons de gaz soient faites, je crois qu'il ne faut pas le prendre du tout pour un acte belliqueux. Mais est-ce que la Russie, quand même, n'a pas eu ce qu'elle voulait avec la prise de Debaltseve, c'est-à-dire d'avoir occasionné ou officialisé peut-être cette partition? Vous savez, je crois que la Russie, ce qu'elle voulait surtout, c'était la Crimée. Ensuite, aujourd'hui, ce qu'elle veut, c'est que les populations russes de l'est de l'Ukraine puissent trouver une sorte de statut et d'autonomie. Après, la ville de Debaltseve, on l'a décrite comme un nœud ferroviaire. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne en est sortie. Je pense que cette situation est moins pire que si l'armée ukrainienne continuait à être encerclée dans Debaltseve, continuait à être pilonnée par l'artillerie à Debaltseve. Je questionnais mes collègues russes et ukrainiens ici ce matin, et un collègue russe me disait au moins ça va permettre enfin que les armes lourdes soit retiré de la ligne de front, puisque finalement, il n'y a plus de siège à Debaltseve, donc on n'a plus besoin d'armes lourdes. Donc on a progressé, selon vous? Je dis qu'on a encore une chance que ce cessez-le-feu, enfin cet accord de Minsk, puisse déboucher sur quelque chose à long terme. Il faut une bonne volonté des deux partenaires. Cet accord, à mon avis, est toujours possible. Merci beaucoup pour ce témoignage en direct de Vienne, Thierry Mariani, où vous vous trouvez donc secrétaire du groupe parlementaire d'amitié France-Ukraine. L'armée israélienne s'attend, elle, à une nouvelle escalade avec le Hamas à Gaza. Ce n'est qu'une question de temps, estime Tzahal, pour qui le Hamas est en train de se préparer à un nouveau conflit, et l'armée israélienne également, comme le montre ce reportage réalisé à la frontière entre Israël et Gaza par Maxime Pérez. Un avant-poste de Tzahal aux portes de la bande de Gaza. C'est dans cette salle d'opération construite 24 heures sur 24, le moindre mouvement suspect le long de la frontière et au-delà. Ce notamment des groupes armés palestiniens. Mais c'est aussi dans cette base que l'armée israélienne stationne une partie de ses troupes. Elle se tient prête à intervenir en cas d'attaque ou d'accrochage avec le Hamas. Car 6 mois après l'entrée en vigueur d'un fragile cessez-le-feu, l'organisation islamiste n'a pas perdu de temps et se prépare déjà à la prochaine guerre. Cette présence de l'ennemi, elle est un peu maquillée du fait que le Hamas ne veut pas provoquer d'escalade. Mais d'un autre côté, il est sans arrêt en mouvement, il bouge. On voit tout le temps des hommes s'approcher, ils sont parfois armés. La période actuelle, elle est assez compliquée car c'est difficile de cerner ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Les récents rapports du renseignement militaire ne laissent pourtant aucune place au doute. Le Hamas s'emploie activement à reconstituer ses stocks de roquettes et d'obus de mortier. Il multiplie les tirs d'essai, près d'une centaine ces derniers mois. Ses hommes s'entraînent et ils ont même annoncé avoir repris la construction des tunnels d'infiltration. Avec d'autres officiers du commandement sud, le major Nir prépare l'armée à l'éventualité d'une nouvelle confrontation avec le Hamas. Son message,
c'est que Tsahal ne se laissera pas surprendre. Si une guerre devait éclater demain matin, le Hamas sait qu'il aura face à lui une armée prête à combattre. Les plans opérationnels ont déjà été approuvés, on s'y entraîne et de ce point de vue-là, il n'y a pas d'inquiétude. Mais nous ne les pousserons pas à la guerre. Et comme pour rappeler que la force de dissuasion israélienne a toujours de l'effet, le major Nir nous embarque avec sa jeep aux abords de Sajaya, un fief du Hamas lourdement pilonné pendant l'opération Bordure Protectrice. À l'horizon, les ruines du quartier sont toujours visibles, les cicatrices d'une guerre qui peut ressurgir à tout instant. Mais ce jeune commandant sait aussi que l'équation concerne aussi les habitants des kibboutz frontaliers. Dans le sud d'Israël, le sentiment d'insécurité s'est peu à peu dissipé, même si personne ici ne se fait d'illusions. La plupart des habitants de la frontière se rendent à l'évidence. Ils comprennent qu'il va y avoir une nouvelle confrontation et que, comme l'été dernier, elle ne sera pas facile. Les gens acceptent cette situation. Autour de Gaza, l'armée israélienne reste en alerte. Le calme actuel est temporaire et au moindre incident frontalier, la situation peut rapidement échapper à tout contrôle. Et après s'être tourné vers la Chine et le Japon, Israël continue son offensive de charme vers l'Asie. Le ministre de la Défense israélien, Moshe Yaalon, participe actuellement à un très important salon de l'armement en Inde, avec à la clé d'importantes commandes pour l'industrie militaire israélienne. Cyril Amar. C'est la première fois qu'un ministre de la Défense israélien est en visite en Inde. Première étape pour Moshe Yaalon, l'inauguration du pavillon bleu et blanc au Salon aéronautique et de défense de Bangalore. Les 15 entreprises israéliennes présentes dans cette province du sud de l'Inde entendent bien décrocher de nouveaux contrats. Nous avons quelques projets très prometteurs en Inde. Certains d'entre eux ont été obtenus directement avec les entreprises indiennes, d'autres à travers les grandes entreprises israéliennes. Et nous voyons que l'Inde est un beau marché en pleine croissance, non seulement dans le domaine militaire, mais aussi dans l'industrie. Et nous voulons en faire partie. C'est pourquoi nous sommes ici, pour susciter de l'intérêt pour notre technologie et nos solutions. Pour l'État hébreu, l'enjeu stratégique est de taille. Le sous-continent est le premier importateur mondial d'armement. Selon le quotidien Times of India, la poignée de main entre Narendra Modi et Moshe Yaalon pourrait bien engendrer un contrat juteux d'1,5 milliard de dollars. Un carnet de commandes qui comprendrait l'achat par New Delhi de deux nouveaux avions de reconnaissance de type Falcon, mais également d'aéronefs israéliens. De quoi renforcer davantage une relation sécuritaire déjà au beau fixe. Depuis le réchauffement des relations en 1992, New Delhi est le plus gros acheteur d'équipements militaires israéliens, alors que Jérusalem est devenu le deuxième plus grand fournisseur d'armes en Inde, après la Russie, avec des ventes annuelles d'environ 1,5 milliard de dollars. Soit 15% des exportations militaires israéliennes. Préoccupé par la menace terroriste et par un Pakistan voisin nucléaire, l'Inde est séduite par les équipements de pointe israéliens, capables de moderniser une armée mal équipée. De son côté, Israël souhaite stimuler son commerce en Asie pour diversifier ses marchés d'exportation, en réponse à d'éventuelles sanctions commerciales en Europe. Depuis son élection en avril dernier, le Premier ministre Modi ne cache plus sa politique pro-israélienne, une proximité qu'Israël voudrait voir transformé en alliance stratégique. En France, à présent, c'est la formation politique de la soirée. Le gouvernement socialiste a réussi à faire passer sa réforme. La motion de censure déposée par l'opposition de droite vient d'être rejetée à l'Assemblée. On va en parler avec vous, Léa Berdugo. Bonsoir. Donc, loi Macron adoptée finalement dans la douleur. Oui, bonsoir Jean-Charles. Sans surprise, la motion de censure a été rejetée par les députés. Seulement 234 membres du Parlement sur 577 ont voté cette motion de censure. Alors, ce soir, le gouvernement sauve sa peau et dans le même temps, vous l'avez dit, la loi Macron a été adoptée. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit également, cette adoption de cette loi s'est faite dans la douleur. Les débats ont été houleux à l'Assemblée aujourd'hui. On retient une déclaration choc du président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, Christian Jacob. Il a appelé à la dissolution du Parlement et donc à de nouvelles élections. Aujourd'hui, à l'Assemblée, c'est l'ensemble de la politique du gouvernement qui est évidente. Et plus particulièrement sa politique économique. On écoute à ce sujet le député UMP Laurent Wauquiez. Ce sur quoi monte la colère, c'est le sentiment que la politique économique de ce gouvernement nous mène dans le mur depuis 3 ans. Augmentation des impôts,
chômage, destruction des entreprises, on voit bien que tout s'est dégradé. Ce que je voudrais aussi clairement dire, c'est que la motion de censure, aujourd'hui, elle est peut-être symbolique. Mais la vraie motion de censure, elle viendra le 22 mars. Celle-là, ce ne sera pas celle des parlementaires, ce sera celle des Français. Alors, cette motion de censure n'a pas été votée par les socialistes, même ceux qui étaient contre la loi Macron. On écoute l'un des députés PS, un frondeur, Pourrier Amir Chahi. En tout cas, je suis là et je tiens à dire que je ne me sens pas concerné par la motion de censure de l'UMP, qui est l'obsession de l'UMP, son obsession de revanche, qui n'est pas du tout tournée vers les enjeux du pays, pas du tout tournée les questions dont on parle, c'est-à-dire quelle politique industrielle, quel choix d'investissement, quelle politique fiscale, quel droit du travail, mais ne cherche qu'une seule chose, c'est prendre sa revanche sur 2012. Alors, chaque président de groupe a évidemment pu défendre sa position à l'Assemblée. Et ensuite, Léa, eh bien, c'est le Premier ministre, Manuel Valls, qui est monté au créneau pour défendre sa politique. Exactement. Manuel Valls a une nouvelle fois fait une démonstration de force. Son credo, l'autorité, parce que ce mot est revenu de nombreuses fois lorsqu'il était à la tribune. Alors, cette déclaration, eh bien, c'était l'occasion pour le Premier ministre de justifier sa politique et surtout de défendre la loi Macron. Il a affiché sa détermination à réformer ce beau pays qu'est la France, a-t-il dit. Une réforme dans le dialogue, mais avec l'autorité qui s'impose, a-t-il déclaré. Alors, on avait un peu l'impression d'un discours de politique générale pour Manuel Valls, qui était extrêmement persuasif. Il a dit qu'il souhaitait se tourner vers l'avenir, mais surtout, ce vote, eh bien, c'est une opportunité pour le gouvernement de montrer qu'il a bel et bien une majorité. Néanmoins, ce gouvernement apparaît-il fragilisé aujourd'hui ? Écoutez, nous, ce qu'on voit en tout cas en tant que téléspectateurs, c'est que cette loi Macron a cristallisé toutes les critiques d'une certaine partie de la gauche envers le gouvernement. Ces députés, on le rappelle, ont constitué le groupe des frondeurs. Ils ont fait entendre leur voix jusqu'au bout, jusqu'au moment du vote justement sur cette loi Macron qui n'a pas eu lieu, puisque le gouvernement a souhaité adopter l'article 49.3, utiliser l'article 49.3 de la Constitution, ce qui revient à adopter une loi sans vote des députés. Alors l'enjeu maintenant pour Manuel Valls et pour le président de la République est de rassembler le plus possible au sein de la majorité à quelques mois d'un nouveau scrutin, puisqu'on a les élections départementales qui arrivent à la fin du mois de mars. Merci beaucoup Léa Berdugo. Une tempête de neige qui s'abat actuellement sur le Moyen-Orient. Des chutes de neige exceptionnelles qui ont par exemple paralysé la principale ville turque depuis hier, Istanbul. Israël s'apprête également ce soir à subir le même type de temps. La neige tombe déjà d'ailleurs sur certaines parties du pays. On va y revenir dans un instant. Mais tout d'abord, la Turquie et Istanbul avec ce reportage de Maël Benoliel. 60 cm de neige en deux jours, la tempête qui a frappé Istanbul et sa région a été particulièrement violente. Avions cloués au sol dans les aéroports, circulation impossible en ville. Même le détroit du Bosphore s'est retrouvé fermé aux milliers de bateaux qui transitent par là chaque jour par les autorités maritimes turques. Une tempête de neige qui a paralysé la ville aux 15 millions d'habitants. Il neige à Istanbul. Le trafic est paralysé, mais c'est relaxant et joli. Je suis en train de réaliser combien la neige m'avait manqué. La neige est vraiment belle et elle rend Istanbul encore plus belle. Ça a quand même causé des problèmes sur les routes, mais la municipalité s'en occupe. D'ailleurs, les autorités déplorent au moins 800 accidents de la circulation, dus notamment à des routes verglacées. Cette tempête ne devrait d'ailleurs pas épargner Israël et le Moyen-Orient. À Tel Aviv, de fortes pluies accompagnées de vents violents sont à prévoir. Les habitants de Jérusalem, quant à eux, ont dévalisé les supermarchés de la capitale. Ils se préparent à passer leur week-end enfermés au chaud, alors que de fortes chutes de neige sont à prévoir. Alors, tempête qui est arrivée et qui arrive ce soir donc en Israël. Le nord déjà sous la neige. On va retrouver d'ailleurs à Jérusalem où tout le dispositif est prêt pour accueillir ces chutes de neige. Daniel Haï, qui lui aussi d'ailleurs est prêt. Bonsoir Daniel. Qu'en est-il de la situation ce soir à Jérusalem ? Eh bien écoutez Jean-Charles, on peut parler de déception. Il faut espérer que ce soit une déception partielle parce que pour l'instant...
Comme vous le voyez, eh bien, il n'a pas encore neigé, il ne neige pas. Et en tout cas, même s'il y a quelques instants, il y a eu une brève tempête, on va dire, de grêle pendant 10 minutes, eh bien, il n'y a pas encore de neige véritable, alors qu'elle était attendue depuis le milieu de l'après-midi, selon la météorologie nationale. Une météorologie nationale qui risque de se faire un peu tirer les oreilles par les habitants de Jérusalem qui ont déjà rejoint leur foyer depuis le milieu de l'après-midi dans l'attente de ces importantes chutes de neige qui étaient prévues, qui étaient annoncées par la météorologie nationale depuis les deux derniers jours. Il faut avouer que dans la rue, on s'est promené au cours des quelques dernières minutes dans les rues de Jérusalem. Les rues sont désertes, on peut dire que Jérusalem est en état de siège. Juifs, arabes, chrétiens, religieux, laïcs, orthodoxes, tous sont rentrés chez eux dans l'attente de cette tempête de neige qui n'est pas encore arrivée. Mais la météorologie nationale le promet. Dans les prochaines heures, dans le courant de la nuit, d'importantes chutes de neige sont attendues. On parle de 20, 30, possible même 40 cm de neige. On verra bien demain matin si les prévisions de la météorologie nationale se confirment. On se rappelle, hein, Daniel, que l'an dernier, tout cela avait eu des conséquences importantes, hein, sur Jérusalem. Hein. Alors effectivement, justement, parce que la dernière fois, en décembre 2013, il y a eu une importante tempête de neige qui avait paralysé la ville et qui avait provoqué d'importants embouteillages à l'entrée de la ville, eh bien, les forces de sécurité, la police israélienne est en état d'alerte et en concertation, étroite concertation avec la municipalité de Jérusalem, il a été décidé de fermer périodiquement les deux principales artères, les deux principales autoroutes qui relient Jérusalem au reste du pays, l'autoroute numéro 1, l'autoroute 443, s'il y a d'importantes chutes de neige, de manière à empêcher, à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'automobilistes qui se retrouvent bloqués comme cela s'était produit il y a de cela un peu plus d'un an. Merci donc Daniel Haïk, vous suivez évidemment l'évolution de cette situation, chute de neige annoncée, mais pas encore, hein, pas pour tout de suite en tout cas, sur Jérusalem. Le bras de fer continue entre la Grèce et l'Europe à propos de la dette de ce pays. Le gouvernement grec va demander une extension de la période de prêt dont son pays bénéficie, mais plusieurs pays européens sont réticents ce soir, notamment l'Allemagne, car ils attendent plus de contreparties de la part du gouvernement grec. Elsa Mourgue. La Grèce joue les prolongations. Athènes a, dans une lettre officielle, demandé à ses partenaires de la zone euro de prolonger de 6 mois l'accord portant sur une aide financière. Un regain d'optimisme à la veille d'une réunion décisive de l'Eurogroupe. Monsieur Juncker a eu de nombreux contacts avec le président Dijsselbloem et le premier ministre Tsipras toute la nuit. Et il a vu des signaux positifs ce matin dans la lettre qui ouvre la voie à un compromis raisonnable dans l'intérêt de la stabilité dans l'ensemble de la zone euro. Athènes a donc fait de nombreuses concessions pour parvenir à un accord, notamment en acceptant la supervision de ses créanciers, Union européenne, BCE et FMI, autrement appelée Troïka. Mais des concessions insuffisantes pour Berlin. Le ministère des Finances allemand a estimé que cela ne répondait pas aux critères fixés par l'Union européenne. La lettre en provenance d'Athènes n'est pas une proposition substantielle de solution. Le courrier ne remplit pas les critères définis lundi par l'Eurogroupe. L'Allemagne, à elle seule, pourrait donc faire plier la Grèce, car l'accord de chacun des 19 membres de l'Eurogroupe est nécessaire pour prolonger de 6 mois l'aide financière dont bénéficie la Grèce depuis 2012. Une aide qui arrive à son terme le 28 février. On va évoquer à présent une initiative saluée dans quasiment le monde entier et qui est liée aux attentats de Copenhague. Cela se passe en Norvège, cette fois à Oslo, où c'est une jeune musulmane de 17 ans qui fait le buzz pour avoir lancé cette initiative dont on va parler avec vous. Rudi Saada, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Spécialiste des réseaux sociaux. Alors d'abord, en quoi ça consiste et pourquoi d'ailleurs c'est aussi salutaire dans cette période difficile que vit l'Europe? Eh bien, il y aura 1200, c'est une image qui va évidemment faire du bien, il y aura 1200 musulmans si on en croit le nombre de gens inscrits sur cette page Facebook. Ils seront donc 1200 à entourer samedi lors des célébrations de Shabbat, symboliquement la synagogue d'Oslo. L'idée donc c'est de protéger l'édifice et donc la communauté juive symboliquement avec une chaîne humaine. Au départ de cette idée, il y a une jeune norvégienne de confession musulmane, elle s'appelle Arjad Asrad. Au lendemain de la tuerie de Copenhague, elle décide avec 7 autres de ses amis musulmans de créer un événement Facebook, hein,
classique, un rendez-vous qu'elle baptise Friedensring, l'anneau de la paix. Alors l'événement devient très vite viral et même le représentant de la communauté juive d'Oslo, Ervin Cohn, applaudit et autorise la manifestation. Il l'encourage même. Alors cette chaîne de la paix, elle a désormais dépassé Internet. On en parle dans les médias du monde entier. Cette initiative, vu l'engouement, va en faire naître d'autres. Alors, il y a eu un emballement médiatique, hein, vous l'avez dit, et ce qui a amené d'ailleurs cette jeune adolescente musulmane à s'exprimer. Oui, elle a donné une interview dans une petite télé locale NRK dans laquelle elle dit ceci. Elle dit « Nous pensons qu'après les attaques terroristes de Copenhague, eh bien, c'est le moment pour nous, musulmans, de prendre nos distances avec l'antisémitisme et le racisme anti-juif ambiant. » C'est vrai que dans les pays scandinaves, la montée de l'antisémitisme est aussi une réalité. Ça a été plutôt long, plutôt progressif. Par exemple, si on prend le cas du Danemark, entre 2009 et 2012, le nombre d'actes antisémite a doublé pour une communauté juive de seulement 8000 âmes pour un pays de 8,4 millions d'habitants. Donc c'est une réaction citoyenne devant ce constat. D'ailleurs, on pouvait lire énormément de commentaires sur cette page, notamment un commentaire d'un jeune musulman qui dit « Si quelqu'un veut commettre des violences au nom de l'islam, eh bien il devra passer par nous en premier. » Eh bien, samedi, on devrait donc voir cet élan de solidarité se matérialiser en images autour de la synagogue d'Oslo. Merci, voilà une belle initiative effectivement qui méritait d'être expliquée. Ce que vous avez fait, Rudy Saada, merci. On aura tout à l'heure d'ailleurs le témoignage d'un proche de l'une des deux victimes des attentats de Copenhague qui témoignera donc en exclusivité sur i24 News. Des images terribles à présent de scènes de saccage qui ont eu lieu sur l'une des plus belles places de Rome en Italie. Ça s'est passé hier soir et cet après-midi encore. Des supporters néerlandais du club de football de Feyenoord Rotterdam qui se sont affrontés à la police avec des bouteilles en verre notamment et qui ont saccagé donc une bonne partie de la place. Il y a eu au moins 16 arrestations. Le maire de Rome, furieux ce soir, explique qu'il n'en restera par là et qu'il demandera la plus extrême sévérité contre ces casseurs qui sont d'ailleurs maintenant au stade en train de regarder leur équipe de football. On va se retrouver dans un instant, nous, pour le débat consacré aux élections. A tout de suite.